Welcome to BGS Beach Gaming Sessions number 20 with Bioshock Master. On a tout cassé, on a foutu en l'air le noyau. Maintenant, on vient chercher Ryan. Quand on aura accédé à son bureau, on est au centre de contrôle de rapture. Même dans un procès de mensonge, on trouve parfois la vérité. Tu es maintenant que je vous vois, chair contre chair, sang contre sang, je sais que je ne peux lever la main sur vous. Mais sachez ceci, vous êtes ma plus grande déception. Vous êtes des saints. Atlas! Vous pouvez me tuer, mais vous n'aurez jamais ma ville. Ma force ne réside pas dans l'acier et le feu. C'est ce que vous autres, les parasites, ne comprendrez jamais. Une saison pour toute chose. Un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour bâtir, un temps pour détruire! Il y a un truc quand même qui répète souvent, c'est qu'on a des flashbacks, on voit la photo de notre famille et... Ryan nous a dit, vous ressentez rien, comme si vous étiez déjà venu, de la nostalgie. En clair, on est déjà venu là. Ouais, ils nous connaissent, on vient peut-être de là même. Bizarre qu'on soit scratché pile... pile où il fallait quoi. Ils ont pas tout. Je sais pas ce qu'il veut nous dire, mais en clair je pense qu'en fait on est d'ici. On a dû partir. Et c'est bizarre qu'on n'ait pas souvenir. Rien. Tu veux pas? J'aurais dû tirer sur les grilles tout à l'heure, je suis bête. I would be kindly. Jasmine, Jolene, Fontaine, Souchon, Tenenbaum. C'est ça, c'est nous ça? Statue bébé. Déploiement avancé, le 111, docteur Souchon, client Fontaine futuriste. Le bébé a maintenant un an, il pèse 26 kg. On est le fils de Jasmine Jolene. Un enfant de 19 ans en bonne santé. Et du coup, qu'elle a eu avec Andrew Ryan? Du coup, on est le fils d'Andrew Ryan, c'est ça l'histoire? C'est ton chien. Il est très joli. Merci, papa. Oui, c'est ça, c'est nous, ça. Brise-lui le cou. On a été adopté par des vieux, mais en fait, c'est pas nous. Brise le cou de ton petit chien. C'est pas notre famille. Oh, non, pitié. Brise le cou de ce petit chien, je te prie. Oh, on s'est occupé du bébé. Suchon, Suchon. C'est très bien. Suchon, on dirait notre voix. C'est bizarre. L'assassin a déjoué mes dernières défenses. Et il vient me chercher. En fin de compte. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'esclave? L'argent? Le pouvoir? L'argent? Le pouvoir? C'est mal... L'homme choisit alors que l'esclave obéit. Vous pensez avoir des souvenirs? Une ferme? Une famille? Un avion? Un accident? Et puis cet endroit... Avez-vous vraiment une famille? L'avion s'est-il écrasé ou a-t-il été détourné? Il a été irrépressiblement attiré par une chose inférieure à l'homme. Une chose conçue pour rester en sommeil
jusqu'à ce qu'une simple phrase de son maître la réveille. A-t-on envoyé un homme pour me tuer? Ou un esclave? L'homme choisi, l'esclave obéi. Fontaine futuristique. Donc on serait le fils d'Andrew Ryan qu'il a eu avec Jasmine Jolene. Parce qu'apparemment. Entrez. Arrêtez-vous. Je vous prie. Je vous prie. Une injonction pleine de politesse. Et pourtant irrépressible. Je vous prie. 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 Maintenant, dirigez-vous vers le bureau de Ryan et descendez cette ordure, je vous prie. Asseyez-vous. Je vous prie. Debout. Je vous prie. Asseyez-vous. Debout. Couchez. Stop. L'homme choisi. L'esclave obéi. Ça devient très bizarre, là. Obéis. Obéissez. Oh là là. Il est déformé, le club. Quelle histoire. On est de rapture. Elle fuse en nouvelle. Eh bien, obéissez. Ah. Bon, ben, on l'a tué. Et Atlas nous a manipulé. Ça, c'est le bureau d'Andrew Ryan. Avec des bustes d'Andrew Ryan. Avec les toilettes d'Andrew Ryan. Avec la salle de bain d'Andrew Ryan. Avec le papier toilette d'Andrew Ryan. Avec les revues d'Andrew Ryan. Avec. Enfin, tout est Andrew Ryan ici. Moi, je vais pas lire le commentaire réalisateur parce que. C'est quand même. Une sacrée révélation, c'est qu'on vient de rapture. Il n'y a rien. Ryan Industries. Donc ils font transiter de la lave pour chauffer quoi. Je vous prie. Ça, c'est une concurrence entre Ryan et Fontaine.
On est mort? Ah non. On change de niveau. Next level. C'était rapide, hein, le centre de contrôle. Hauteur de la pie. Bienvenue à la maison, mon garçon. Ainsi, tu es revenu. Oh là là. C'est le centre avec les petites filles. Ah ouais. C'est la petite fille qu'on a sauvée. Ces petits enfants, ils ont tous la même tête. C'est Je peux manger un deuxième? Touchant. Viens avec moi. Ok, je te suis. Ouais, il y a plusieurs gamines qui ont mal tourné. Bon bah au revoir les enfants, à bientôt. J'espère vous amuser, vous êtes en sécurité ici. Allez, au revoir les enfants. Derrière pour lire comme il parle. Nous voilà à Olympie. Quand il sera plus sous l'emprise de son père, il y aura sa revanche. Et nous pourrons l'empêcher de mettre la main sur mes petites protégées. On aurait tué une femme. Atlas, c'était une arnaque. Bistro. Ah 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 ah, ça tire. Est-ce qu'on va bien viser? Je vous prie. Thank you.
Ah bah non! Et un Big Daddy. Ah, c'est une Big Sister. Est-ce que je l'attaque? Je libère la petite, faut que je récupère les plasmides. C'est pour ça qu'il faut de la dent. La dent. La dent est... jamais y arriver. Petit à petit l'oiseau fait son nid, mais là ça commence à être mieux. Il n'y a pas un distributeur, je peux pas acheter 2-3 trucs. Attendez, y'a pas la petite fille. Dégagez de mon territoire. Ah mais s'il y a pas la petite fille, moi je peux pas... Et la petite fille. Eh ben je voulais moissonner, elle est où la petite fille là? Attendez, j'ai moissonné pour rien là. Je te sauve. Non. Je suis gentil, t'inquiète pas. Tu as apporté la lumière dans les ténèbres. Tu as sauvé les petites sœurs quand tu aurais pu déchaîner ta cruauté. Je t'envoie quelque chose en guise de remerciement. Qui c'est qui respire comme ça? Hein? C'est papa ou c'est maman?
problème, c'est qu'on sait pas. Je vais se profiter de la vue. Je fais un petit truc de genre. J'aime beaucoup cette respiration, ça me... Faut faire quoi? Faut descendre? Les gens comme ça ils sont... ils attendent. Attendez! J'ai foutu plusieurs carreaux, il est pas mort. Je n'aime pas ça, mais vous devez comprendre ma situation. J'ai passé une tour de la vie. C'est un gros investissement. On n'abandonne pas si vite une si longue. Viens mon coco. Ah, y'a un autre Big Daddy. Oh,
Monsieur, donc c'est... Entre mille, elle a les cheveux sales et semble toujours vêtue de la même blouse tachée de moutarde. Mais Franck a tout à fait raison. C'est une petite personne et une perle rare. Aucune formation, aucune expérience. Mais présentez-lui une séquence génétique. Et c'est Mozart qui joue du clavecin. Putain, j'étais presque. Je chauffais pas ma moisson là. Ouh. Fait juste que je recharge le mec. Je la sauve. Hein. J'aurais plus de sauver que de la sauver. Maid Fontaine, ah, c'est son bureau. Ils sont où? Je veux bien les buter, mais faut qu'ils viennent me voir. C'est quoi? C'est juste l'ascenseur, ça l'œil. Ah, et c'est on tape le code ou rien. On peut pas le sommet, si. Ça ne fera plus aucune différence quand cet endroit sera
redevenu le royaume des poissons. Ah, il va faire couler la cité. Pompen est devenu une sorte de croque-mitaine à Rapture. Ce mythe lui donne du pouvoir. Et si on gratte le vernis et qu'on oublie ses belles paroles, ce n'est qu'un arnaqueur comme les autres. Et comme tous les escrocs, il a peur de se retrouver du mauvais côté. C'est pour ça qu'il a commandé le lot 192, l'antidote pour la plasmide de contrôle mental. Pompen m'a conseillé de n'en parler à personne, pas même à Tenenbaum. Et Souchong préfère l'écouter. On cherche quoi, juste Souchong fait toujours des petits secrets. Son lot 192 doit être dans son laboratoire, près de la place Apollon. Une fois, j'ai volé une dose que j'ai emportée dans mon appartement au premier. Mais mes brutes l'ont sûrement rapportée chez mon père au dernier étage. Je n'ai jamais eu de quoi servir le lot 192. Mais si Souchong mijotait quelque chose en secret, c'est de quelque chose qu'il faudra avoir à l'œil. Tenenbaum, Tenenbaum. Je me suis pris une sacrée roquette dans la tronche, les gars. Là, c'est quoi? On recommence toujours à l'endroit. Mercury Suits. C'est là qu'il crèche. Et non, Atlas n'est pas Atlas. Atlas était un traître. Je prends les sacrés trucs dans la tronche quand même. Je meurs quand même. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là hein, pour cette vidéo. Essayer de mourir comme ça, mais vous voyez, petit à petit, on avance. Se quitter sur une superbe vue de Rapture. Voilà, donc j'espère que vous aimez les vidéos. BioShock, ça avance. Hein. BioShock Remastered. Pour BGS 20, it's ok. We keep going. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo de BGS. Binge Gaming Sessions.